Roberto Doria, Qu'est-ce que ouais, vous sur en le avez côté pensé? gauche. Qu'est-ce que vous avez pensé de lui, justement? Eh ben fantastique. Je l'ai dit, ce qui m'a plu sur le deuxième but, c'est avant-dernière passe de Sakai dans les 16 mètres, pratiquement dans les 16 mètres adverses et reprise de Doria sur le centre de Rémi Cabella. Ça prouve que les joueurs sont offensifs, ça prouve que petit à petit dans cette équipe, tout le monde est capable de marquer. Ça a toujours été un peu la marque de fabrique, moi, de mes équipes. Et on se qualifie sur un but de Fanny, un but de Doria. Donc c'est super quand mes trois attaquants marquent. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que pour les attaquants, c'est important de marquer. Mais si le danger vient de partout, c'est mieux. Et pour Matheus, c'est bien en termes de confiance. Où je vous en veux, c'est de ne pas lui avoir posé, lui demander ou l'obliger de répondre en français. Parce qu'il parle très bien français. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez eu besoin d'un interprète. Mais non, c'est un bon. Ouais, c'est lui qui voulait par confort. C'est comment sa célébration? Je sais pas à quoi ça faisait référence, mais maintenant je le sais parce qu'il me l'a expliqué. Ouais. Bah, c'est le 21e siècle, comme on dit, voilà, simplement. Comment explique justement qu'un joueur qui n'est pas habitué à faire ce genre de gestes réussisse de trouver. C'est quoi, c'est l'adrénaline, c'est Ouais, je pense. À moins qu'il l'a peut-être préparé, hein, parce que je vous rappelle quand même qu'il avait marqué voilà, le match d'avant à Lyon. Et bah donc il en est à 2 buts en 2 matchs. Donc comme vous allez me poser la question que j'ai pas trouvé un remplaçant de Baffé, je l'ai, le remplaçant de Baffé. Voilà. Vous lui avez demandé de se calmer quand même, ou Non, à pourquoi? l'avenir, ou d'être aussi offensif? Non, nos latéraux ils sont offensifs. On ne peut pas dire qu'Hiroki Sakai soit un joueur qui reste derrière la ligne médiane et quand on attaque qui a des consignes pour ne pas la passer. Nous, je l'ai toujours dit, je veux des latéraux offensifs à partir du moment où il y a des compensations, puis à partir du moment où ils n'oublient pas que ce sont des défenseurs aussi d'abord. Voilà.